Salut à tous, c'est Alisa, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Pokémon. On est sur l'île de Cramoisil et on va avancer. Alors, pour votre information, j'ai terminé le petit manoir ici. J'ai récupéré la clé qui m'a permis d'ouvrir l'arène. Et voici la nouvelle équipe pour affronter cette arène. Donc on a toujours le mini Draco ici, le Pikachu, le Ronflex. Mon Reptincelle a évolué en Dracaufeu. Et j'ai pris Triopiqueur à la place de Florizarre et Lamantine à la place de... comment il s'appelle l'autre là L'évolution de Mimitos. L'évolution de Mimitos, je sais plus son nom. Donc voilà, et du coup on va avancer dans l'arène. On va combattre les différents dresseurs. Je pense que ça va être compliqué d'aller jusqu'au bout. Parce que bah au final en fait... comment dire que mes Pokémon sont d'un niveau un petit peu faible par rapport à ce que je rencontre ici. Bon, pas tous, mais arrêtez d'utiliser Bélier et... What? Mais on met Draco! Putain. Putain, pour la peine, je vais te prendre une Lamantine dans la gueule. Non mais oh. Putain, il était bien là mon... Alors, on va mettre Triopiqueur. Là on... Je voulais le faire évoluer. Je suis deg quoi. C'est quoi ce one shot de merde? Alors, sac. Un rappel. Rappel de ses morts. Est-ce que je peux l'utiliser ou pas? Oui. Sur Mini Draco. Voilà. C'est bien, utilise Grimace, fait Mumuse, tout ça, tout ça. Alors, hop. On va me faire maintenant un hyper potion. Le mini Draco, voilà, c'est chose faite. Lance-flamme, très bien. Et maintenant, on va en terminer avec toi, petit Salamèche. Allez, hop, ça dégage. Voilà. Allez, Mini Draco, c'est à toi de jouer. Un petit Goupix à ta portée. Tu peux le faire. Lance-flamme. Putain, mais ils ont tous lance-flamme chez lui. Il n'y a pas de coup critique, mais il brûle. Oh là là. Allez. Ça, il est chiant Goupix avec ses ondes folie, c'est un des pires trucs qu'il a quoi. Allez, fais surf et t'attaques pas toi-même. Surf, surf, surf. Non! Bon, on va envoyer un autre Pokémon du coup. On va envoyer Lamantine, c'est parti. Et on va lancer un petit Vibraquois. Allez hop, ça dégage. Hop. Super efficace. On a fini de lui. Toujours pas y est pris ni dix. Caninos. Oui, on revient avec notre mini Draco. Alors. Putain, il est au bout de... Allez, on va lui donner du soin. Hyper potion.
Hop là. Roue de feu. Non. Vous l'avez trop vite. Surf. Identifie Midrako. D'accord, très bien. C'est super efficace. Allez hop. Bélier. Oh non. Non, pas bélier, pas bélier. Ouf. Oh, il l'a pas tué. Hop là. Level up, Midrako niveau 30, c'est bien ça. Je sais pas s'il évolue maintenant ou après. Normalement, il doit évoluer par là. Et dans les niveaux 40, je crois, pour Dracolos, non? Yes! Ça, c'est cool ça. Petite évolution en direct. Enfin, si on peut appeler ça du direct. Je crois que c'est mon Pokémon préféré de la première génération, celui-là. Le plus beau de tous. Du coup, on continue. Hop. Et on va aussi soigner Topiqueur. Comme ça, on y va d'une traite. Voilà. Allez, les Pokémon de feu, j'adore. Il n'y a rien de mieux. Ok. Donc là, les Pokémon sont déjà au niveau entre 34 et 36. Oula. Ponyta, niveau combien? Ouais, je pense qu'il va avoir ça comme niveau de Pokémon, l'autre, là. Il est emprisonné piégé dans le tourbillon. Ouais, c'est bien ce qu'il me semblait. Ouais, il est un peu plus balèze, hein. Oula. Un bélier. Ah, c'est bon. Et voilà, coup critique. Ça s'est fait. T'as pu en avoir entre le Draco et le Midrako et le Draco. Il tient tête un Pokémon de niveau 10 plus que lui. Donc du coup on arrive à la fin. Ah non, il y a encore de... Putain, à chaque fois je dois utiliser des potions. Heureusement que j'en ai acheté juste avant. Je sais pourquoi Auguste est devenu dresseur. Très bien. Je m'en fous un peu, hein. J'ai envie de te dire, c'est cool. Galopa. Oula, Galopa. Évoca... Oh là là, par contre on rigole plus, hein. Aïe. Ça va. Il nous reste 37 points de vie. Par contre... Allez, on prend le risque. Ah, oh. Pixel HP. Ok. Et voilà. Honnêtement, en mini Draco, il le passait pas, le Galopa. Hein. Waouh. Sacré barre d'XP qui se remplit. Encore pour longtemps là. Hop là. La dernière normalement. La préférée c'est celle-ci. Ok, bah très bien. Je
chacun son truc. Niveau 37. Ok. Je sais pas ce que ça fait. Ça va tuer mon Pokémon, c'est ça? J'en sais rien du tout. Ah, d'accord. Du coup, il pourra plus attaquer avec, avec ça. Très bien. Et bah non, on va le garder et on va utiliser notre attaque secrète. L'attaque des dragons. Non, ça c'est du vent. Ouais, c'est pas ouf. Ok, Caninos. Du coup, non, c'est ça, voilà, c'est Dracorage que je voulais utiliser. Ça va. C'est gérable. Hop là, ça dégage. Level up. Ah, pas grand chose. Et donc du coup on arrive au champion de l'arène. Non, toujours pas. Bon bah parfait. Hop là. Bon, je m'en fous, j'utilise plein de potions. Mince. Mais voilà, j'ai... Je vais avoir 60 000 Poké-Dollars, donc... Tu sais quoi, l'eau c'est fort contre le feu. Le feu ça brûle et l'eau ça mouille. Alors, Caninos niveau 37, comme tout à l'heure. Dracorage, on y va à fond. Ça me met presque mid-life quand même, hein. C'est pas mal du tout. On va faire une petite souplesse. Voilà. Bélier. Très bien. Et du coup, on va pouvoir utiliser l'ouragan derrière. Voilà. Et hop, il se fait frapper par les petits cailloux. Et Draco passe niveau 31. Oui, on va changer de Pokémon, on va prendre Trio Picker, on va le faire XP un petit peu, lui aussi. Hop, Goupix est envoyé. Telluriforce dans ta bouche. Voilà, ça dégage. Et c'est terminé avec... Je sais pas combien il y a de dresseurs dans cette arène, mais c'est ouf, quoi. Ah voilà, donc du coup on va pouvoir s'en aller, sortir, régénérer nos points, préparer la strat des Pokémon, et on y retourne. Par contre c'est chiant qu'on marche à 2 à l'heure, on peut pas courir là-dedans, c'est chiant. Allez, on se dépêche. Voilà, on peut pas courir comme ça. Donc en premier je pense que je vais mettre Lamantine. C'est peut-être un des Pokémon les plus forts que j'ai. Il a la capacité de... Comment dire, de lancer des attaques d'eau. Donc du coup, ça peut le faire. Donc dans l'ordre, je ferai ça. Lamantine en premier. Trio Picker en deuxième. Draco en troisième. Ronflex. Et Dracaufeu en dernier. Voilà, un truc dans ce genre-là. Allez, on y va. Merde, cours. Ah. On va récupérer ce sixième badge.
Normalement, j'ai pratiquement que des Pokémon qui sont efficaces contre le feu. Ce qui est une bonne chose, sachant que je n'ai pas capturé des masses, hein, des Pokémon, donc... On va voir ce que ça va donner, on va tester. Je vais sauvegarder juste ici. Hop. Je suis à 22 heures de jeu. 28 Pokédex, voilà. Comme je vous disais, j'ai très peu de Pokémon. Allez, c'est parti. Salutations, mon nom est Auguste, je suis le champion de l'arène de Cramoisil. Mes Pokémon flamboyants vont te réduire en cendres. Ah, j'espère que tu as de l'antibrûle, va bientôt y faire très chaud. Il va bientôt faire très chaud. Alors. 4 Pokémon. Caninos. 42 déjà de base. J'en étais sûr. Mais du coup, t'as gratté un point d'attaque. Allez hop. Ça dégage. On va garder pour le moment la Lamantine, qui n'est pas forcément mon meilleur élément, hein. C'est juste que... voilà, ça... Ça va faire très très mal, ça va. Niveau 40, ah, elle a un niveau de moins que Caninos. Ah, il rappelle Ponyta. Non, Bondi. Ah, ça bondit un Ponyta. Allez, prends ça. Il a sauté tellement haut qu'il a raté, que j'ai raté mon attaque. Ça c'est fait. Galopa. Non. Et donc ce Pokémon-là, je l'ai récupéré pendant ma galère dans les îles de ces morts-là. Ouh, ça fait très très mal. Bon, déjà, on a éliminé la moitié des Pokémon. Alors, on a dit Trio Picker par la suite. Hop là. Donc, ouais, je l'ai récupéré dans les îles écumes, là, je sais pas quoi, là. Ça marche pas, je suis sous terre. Allez. Un petit mid-life, trois quarts life, presque. Ça, par contre, ça risque de piquer. Oh, la vache. Moi, je vais utiliser Dracaufeu, là, parce que les déflagrations, non, ça me... Voilà. Le feu par le feu. Niveau 38, en plus. Ah, putain, il était... Ah oui, non, c'est même pas l'autre qui... Allez, on va envoyer Mi-Draco. Juste histoire de... Quel niveau, Arcanin? 47! Ouah! Raté déflagration, putain, c'est chaud. Il y a un sacré sac de PV, hein. Ouh, ça one shot pas, mais allez, en avant, Dracaufeu. Ça, mon gars, tu vas devoir utiliser Bélier. Ah, la petite potion qui tombe.
Tu vas devoir utiliser ton bélier, mon gars. Allez, hop. Wow, coup critique. Ah, il a fait mal, celui-là. Et voilà, ça s'est fait. Pourtant, j'ai pas utilisé des Pokémon de ouf. Et clairement, j'ai pris le dessus. Et voilà le sixième badge. Il m'en reste plus que un, je crois. Ou deux. Je sais plus. Le badge volcan augmente les spéciales de tes Pokémon. Prends ça aussi. Là, c'était déflagration. La technique de feu ultime ne donne pas un Pokémon, ça serait du gâchis. Voilà, en ce cas. Alors, du coup. Il m'en manque combien? Ah merde! Pourquoi j'ai. Il manque le badge numéro 6? Alors, j'ai 6 badges, il manque le 6. J'ai loupé un truc? Ok, très bien, j'ai loupé un truc. Donc, vous voyez, avec le badge numéro 7, avec un total de 6 badges, je vais pouvoir mettre à jour mon petit compteur, pas mis à jour, pas. Qui n'a pas monté depuis bien longtemps. Et bah, ça n'a pas été si difficile, enfin, en tout cas, pas autant difficile que face à Koga, où j'ai vraiment galéré de ouf. Là, c'est passé nickel. Donc, qu'est-ce que tu veux? C'est bien toi, Lisa? C'est moi, Léo. Ça fait un bail. Dis-moi, j'espère que tu utilises toujours mon PC. Ça te dirait de venir avec moi sur cette île au sud qu'on appelle l'île 1? J'ai reçu une invitation. Je m'y rends justement. Tu penses? T'en penses quoi? Très bien. On va y aller. Le bateau, il vient d'arriver. Il l'a envoyé Chromosis spécialement pour moi. On va y aller. Je connaissais même pas ce truc. On y est. Voilà, là, il y a plusieurs îles dans le coin. Nous sommes sur une île. Mon ami Silio a mis ce bateau à disposition pour venir ici. Il a la responsabilité du réseau informatique de l'île. Tu aurais l'idée de le rencontrer. Allons-y. Je connais même pas ce truc. J'arrive pas à croire que tu sois venu. Eh bien oui, je suis là. Alors comment avance tes recherches? Oh, une seconde, il faut que je vous présente Elisa, voici mon ami Silio. À très bientôt un grand champion, je suis sûr. Impressionnant, j'ai bien avoué que je ne suis pas doué pour le combat. En tout cas, je suis ravi de te rencontrer. Bon, dis-moi, où c'est qu'on regarde ta machine? Plutôt pas mal, mais le problème c'est que nous sommes la nuit de tout ici et le PC ne veut pas se connecter. Oh tiens, Léo. Ah oui, laisse-moi jeter un oeil. J'ai un service à te demander. L'île voisine s'appelle l'île 2. Il y a un type qui dirige la salle de jeu. C'est un passionné de pierres précieuses et de roches rares. Est-ce que tu pourrais lui apporter ce météorite? Ok. Je me souvenais pas de ça. D'accord. C'est un passe pour le ferry reliant les îles entre elles. Avec ça, tu pourras aller sur les îles 1, 2 et 3. Ah, il faut aussi que tu prennes ça. Attends, je reçois plein d'objets. La carte, ok. La carte d'anglais. Voilà. On se revoit plus tard. Ok. Bon, bah du coup, je découvre cette partie-là. Ça me disait rien du tout, vraiment. Donc, bah, on va se laisser là pour cet épisode. On va découvrir les îles 1, 2 et 3. Bah, dans un prochain épisode. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce en bas des vidéos si vous avez aimé, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne et à visiter mon petit lien Utip. Moi sur ce, je vous laisse là et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde.